Humbles salutations, je suis TX9000 et bienvenue pour le 13e épisode d'Alien Isolation. Alors, on est ici puisqu'on est mort, puisque nous nous sommes fait tuer, n'est-ce pas, les dernières fois, récupérés sous le lit. Le cocktail Molotov. Oh. Parfait, je l'avais pas vu la dernière fois, ma faute. Quoi? Ah. Non. Je vais au placard. Bon, alors, il est là quelque part. Il rôde. D'accord, il est revenu de notre côté, en fait, parce qu'il était de l'autre côté, là. Un passage que nous n'avons pas encore ouvert, n'est-il pas? Là, il est là au bout du couloir. Là, il arrive. Là, il est juste là. Il va rentrer, il va venir nous sniffer un peu, hein, comme à son habitude. Et parce que, bien entendu, voilà, regardez-le, le vilain. Nous cherche. On ne change pas une équipe qui gagne. Ok, là il est parti. On va regarder s'il y a pas des trucs qui traînent par ici. Si. Ah bah écoutez, puisque nous n'avons pas assez de mélange B pour faire un cocktail Molotov, grand mal nous fasse, nous allons faire de l'agent collant, du mélange B et bien entendu le pistolet seringue qui va bien pour faire un petit medikit. Voilà. Et juste là. Il y a celle d'à côté. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Planqué sous le bureau. Je l'ai pas entendu s'éloigner. C'est bon. Ok, il est à l'autre bout, il est parti. Ok, il est dans les conduits. Il est reparti. Il est ressorti directement, ok. Oh bah il est là! Mais c'est vraiment pas de bol, hein. Mais comment tu fais, enfoiré? Comment fais-tu? Mais c'est impossible! C'est impossible de m'anticiper comme ça et de me tomber toujours dessus! La machine nous laisse 0 seconde de répit. On va reprendre le plan du cocktail Molotov. On va refaire un medikit. C'est affreux ce truc, hein? Il est. C'est un fou furieux ce machin! Il est toujours dans nos pattes. C'est incroyable. Oh, bien sûr, c'est le principe d'un super prédateur en même temps. C'est que la proie n'ait absolument aucune échappatoire pour pouvoir fuir. On va ramasser. C'est un vrai cauchemar ici, Samuel. On va se cacher sous le lit. Là, regardez-le. Mais non! Mais c'est pas vrai, il fait chier! Il est relou! Il fait que me trouver, pourquoi tu vas pas chercher les autres un peu?
On est nombreux là, sur dans le coin. Je veux dire, quand même. Y a moyen d'aller ailleurs, y a moyen de tomber ailleurs que directement sur ma gueule. C'est fou ça. Ne pourrais-je donc pas avoir un peu de répit? Ne pourrais-je donc pas avoir un peu de répit? J'aimerais pouvoir jouer, j'aimerais pouvoir avancer. Ok, il est reparti dans son conduit. Là, un truc que je ne peux pas ramasser. C'est un vrai cauchemar, les 6 appels. Où est-ce qu'il est? Bien sûr. Bon, il est pile poil là où on doit aller, je suppose. Oh non, j'ai oublié d'aller au bureau de Lingard pour faire quelque chose. Bah. Ok, il est parti. Là. Ok, il est reparti dans son conduit. Où va-t-il ressortir? Mystère et boule de gomme. Mais probablement directement sur nous, hein. C'est beaucoup plus drôle comme ça. Rocher la sauvegarde. Voilà, comme ça on aura sauvegardé le plan du cocktail Molotov et surtout le medikit. Excellent. Bon. Qu'est-ce qu'on a oublié ici? Ah, ouais? Non, rien, bon. Rien oublié. Bah, le problème, c'est que là, je fais comment pour dénicher les infos maintenant? Je suis baisé? Je suis complètement baisé? Faut que je retourne à ma canalisation, là. Donc là, il faut pas passer parce que ça fait exploser la conduite de gaz et s'il y a le feu, l'alien n'y passe pas. Alors que s'il n'y a pas le feu, l'alien continue à passer par là. Donc ça diminue nos chances de tomber nez à nez avec lui. Bon. Alors, l'échelle, elle est par là. Le problème, c'est que je peux pas remonter dans le conduit, là. Je peux absolument pas remonter dans le conduit par lequel je suis arrivé. Et non, c'est trop simple. Je ne peux pas accéder aux infos du bureau de Lingard. C'est beaucoup trop simple. Bon, plein de fumigène. On ne peut plus rien faire. C'est très ennuyeux. Je ne vous cache pas que notre situation est plus que précaire. Ouais. Situation très précaire, puisque nous n'avons de toute évidence pas accès au bureau du docteur Lingard. Mais si on doit y avoir accès, bon sang, le jeu ne m'aurait pas spontanément envoyé là, sachant que je n'avais pas accompli un des objectifs. Enfin, ce jeu est scripté correctement, voilà. J'étais juste pas venu ici, hein. Là, on va actualiser la carte. Ça a vachement fait avancer mon schmilblick, hein. De toute évidence, nous sommes bien mieux lotis maintenant, hein, qu'il y a quelques secondes. Mélange B, agent collant. Au moins, on a du pisto-seringue, c'est déjà ça. On a de l'éthanol. Oh, il est là, t'es sérieux? Casse-toi! 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 Dégage! Là, ok, bon. On va pouvoir aller fouiller le truc du docteur. Le truc du bon docteur. Je vous laisse lire comme d'habitude.
Classé secret. Bon, déjà, ça veut tout dire. Utilitaire, rapport du docteur Lingard du 13 novembre 2137. Ah, cinématique. Ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que... Que ce soit bien clair pour les archives. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis tellement navrée. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Bon, d'accord. Bon. Visiblement, nous avons affaire à l'alien, et cette dame y a eu aussi affaire, mais elle, la différence, c'est que c'était le patient zéro, donc la première personne à avoir été infectée par le bousin. Et donc, comme c'était la première personne à être infectée, eh bien, elle était directement... C'est elle qui a, en fait, permis aux aliens d'infecter la station. Bon. Lui, il semble reparti dans son conduit. Non, pas du tout. Il ne voudrait pas passer par là, plutôt? Parce que moi, si j'y vais, ça va déclencher le feu, ça va faire une explosion monstrueuse. Bien sûr, il va venir, hein? Il va venir inspecter la zone. T'es. Regardez-le. Voilà, là, est-ce qu'il nous trouve? Il y a très inégal dans ce jeu quand même. Tantôt ça nous trouve, tantôt ça nous trouve pas. Je sais vraiment pas ce qui fait qu'il peut nous trouver ou ce qui peut ne pas nous trouver. Ah, tu vas pas du bon côté, t'es relou. Bon, et ben on est reparti, hein. On va se taper tout le grand tour. C'est ça qui est formidable. Et qu'avec un peu de chance, on va se tomber directement sur lui. On va se le prendre en pleine gueule. Non, c'est bon, il est parti vers la laverie. Vers la buanderie. Je crois qu'il est remonté dans son conduit. Si c'est le cas, nous allons rusher la sauvegarde. Parfait. Nous sommes sauvés. Parfait. Cool. Excellent. Bien. Ah, eh bien, j'ai dit bien. Oh là là, ben, je suis encore obligé d'annuler cet épisode. Et voilà, et oui. Encore une fois, eh. On va annuler un épisode de plus, eh. Alors, là-bas. Ils sont là-bas, les cons. Vous savez quoi? Dis-moi que ça va tirer la bestiole, allez. Parfait, il va tous les désinguer. Ouah! Ce lancer de boîte. Bougeons pas. Est-ce que nous allons avoir de la chance?
Cette queue, elle est folle. Cette queue préhensile, elle est formidable, mais elle est complètement folle. Il va falloir que tu fasses quelque chose contre ça, mon petit. Ouais, il sait qu'on est là, je pense. Je pense qu'il sait que nous sommes là. Ah, zut alors. On était bien pourtant là. Relou, il les a butés. Puis ben ouais, c'est pas juste, je suis désolé, là il aurait pas dû savoir que j'étais là. Parce que quand même dans les conseils du jeu, quand on meurt justement, quand ça charge, il nous dit eh bien techniquement plus vous restez au même endroit, plus vous avez de chances de semer un poursuivant. Jusqu'à preuve du contraire, l'alien c'est un poursuivant. Ah ouais, bah alors là mon bonhomme, là, je ne réponds plus à rien. Putain, il m'a touché, comment il a fait ça? Et il est où? Il est où le bestiau? Qu'est-ce qu'il fout? Les humains sont très bêtes, visiblement. Hein. Allez, sors. Mais où est l'alien? Qu'est-ce qui branle? Si t'es pas de mon côté, c'est que t'es du leur. Mais où est-ce qu'il est? Sérieux? C'est relou, ça! J'ai fait un raffut pas possible, là. S'il me trouve pas, ce serait bien le diable. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. Ce stress. Eh ben dites donc, on a eu du bol. C'est vrai, c'est pour ça que je suis très perturbé par ce jeu, parce que vous voyez l'inégalité du truc un peu. Tantôt il nous trouve, tantôt il nous trouve pas. Tantôt, ben voilà, hein, il passe à côté. Laisse tomber. Ok, il est reparti dans les conduits. J'ai un peu de rab. Je sais absolument pas où est-ce qu'il va repop. Oh! Oh, et bien dites donc, ce qu'on a eu chaud, et il nous est tombé pratiquement dessus, eh. Sa race. Oh, cette saloperie d'alien. Bon, je veux bien que le jeu soit difficile, mais ouais, quand même, il y a des limites. Oh non, 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 pas ça. Oh non. Oh zut. Oh zut, ah, c'est complètement bouché. Et nous n'avons décidément pas de chance, l'endroit est complètement bouché. Et nous sommes dans une situation plus que problématique. Et il est parti quelques minutes, sans doute. On va laisser un peu de rap de temps. Peut-être la possibilité de trouver un petit kit médical.
au bloc opératoire de rejoindre notre ami Taylor. Il est très mal en point d'ailleurs. Hop. Je ne lui ai pas laissé la moindre chance à lui. Clairement. Il est parvenu, bon, très bien. Même pas de balle de flingue. Mais tout est plein, j'ai plus rien, enfin. Mais regardez, j'ai besoin d'argent collant, j'ai besoin de quelque chose là. Vous pouvez pas me faire... Vous pouvez faire un petit avoir, un prix, je ne sais pas. Que diable ! Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu as... Pourquoi tu vides de tout ton chargeur à chaque fois ? Mais c'est pénible ! Il est là ? J'ai entendu souffler. Oh, il est juste là, t'es sérieux ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais j'entends que ça grouille. Mais il est là, hein. Les infirmières synthétiques travaillent dans... Il me colle, hein. Vous pouvez également demander à... Il est là, hein. Il me colle. Et vous croyez qu'il m'a grillé? Est-ce qu'il m'aurait déjà grillé? Il est juste là. Ah si, je sais ce qu'il fait. Comme il a entendu un coup de feu, il inspecte. Voilà. Il a entendu un coup de feu, il est descendu, il est venu. Et finalement, il n'a rien vu. Ok. Ça me le met à 0,16, c'est-à-dire qu'il est tout proche normalement. On va vite inspecter ça, voir s'il se passe quelque chose. Alors, toucher humain. Les tournées, Morley, Kuhlmann, West. Ouais, on en connaît la plupart, mais soit ils sont morts, soit ils ont disparu. Dossier médical. Pourtant de brûlures chimiques sur les bras et les jambes. Le sang de l'alien. Dégâts cérébraux probablement dus à une asphyxie causée par une strangulation manuelle. Rien à faire, lit gaspillé. Ok, bon. L'incident est une erreur. Morley, ici Lingard. Suite à l'incident, les marshals veulent qu'on interdise l'accès au centre médical. Ils amènent une équipe pour découvrir ce que la patiente transportait. Même si je les ai avertis que c'était rapide, ils sont persuadés de pouvoir le coincer. Ils ont des filets. Je vais installer un centre médical provisoire à l'extérieur. Vous êtes en charge pour l'instant. Ne laissez pas Kuhlmann vous amadouer. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer ces auto-prescriptions avec le Marshal Waits qui nous tourne autour. Bon, visiblement, il s'est... La situation a dégénéré depuis bien longtemps sur cette station. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. La situation a dégénéré depuis bien longtemps. Bon, encore inventaire plein, hein. Potentiel, mais il peut sortir par là. Oh, il est par là, il est par là-bas. Là, c'est verrouillé, là, c'est verrouillé. Faut qu'on trouve le bloc médical. Ok, c'est par là. Quel suspense, les amis, quel suspense. Je vous promets de rester avec vous jusqu'au bout. Je peux pas prendre d'éthanol. C'est relou, hein. Ah, le kit médical. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. On va se cacher là-dessous. Alors, je regarde. Parce que je crois qu'on a un accès pour ressortir par là directement. Accéder à la réception du centre médical.
Et je fais ça comment? Taylor est blessé, déniché un kit d'urgence médicale, ramenez-le à la station de transit. Accélère réception médicale. Bon. Mais écoutez, les amis, je vais vous laisser là. Je vais me cacher dans ce cône. Et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. En attendant, je vous dis merci de l'avoir visionné. Et humble salutation, c'était TX9000 sur Alien Isolation. Voilà, cette vidéo d'Alien Isolation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée dans son intégralité. Vous pouvez bien entendu laisser un petit pouce en l'air dessus, petit j'aime quoi. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre cette passionnante aventure. Vous pouvez également retrouver l'épisode précédent ici, ainsi que l'épisode suivant ici même. Vous avez toujours la possibilité de partager ces vidéos sur Facebook ainsi que sur Twitter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, ne fuyez pas trop loin. Humble salutation, c'était TX9000.